Salut les viewers, c'est Marcus Bonus et bienvenue dans la Playroom, sur l'épisode de Robocraft, chers amis. Un épisode un petit peu différent des autres parce que ce sera un épisode de construction à nouveau. On va partir sur une base assez simple. Hop. Sachant que ça, ce sera l'avant du robot. On va partir sur des cubes cosmétiques. J'en ai plus des comme ça. Ça commence déjà très très mal. Bah écoutez, tant pis. On va le faire en très très simple. Remarque, je dois avoir le cockpit maintenant de libre. D'accord. Ça peut être intéressant. Il me semble que le cockpit, on a quand même besoin de tout ça. Je vais quand même essayer de le mettre, de le placer. Hop. Alors souvent, le cockpit est utilisé de manière assez simple. Je vérifie juste que ce soit que je puisse le mettre dans le bon, que je le mette dans le bon sens, en fait, tout simplement. Bon, ça peut aller comme ça. Ok. On va essayer de le faire comme ça, c'est pas grave, hein. Ça va être différent de ce que j'avais pensé, mais... Hop. Alors on a déjà vu un modèle, on va dire, de ce genre dans une partie précédente. J'ai envie de me lancer dedans, bien voir si c'est efficace ou pas. Hop, parfait. Hop. Crac. Hop. Nous, on va le faire quand même assez solide. Hein. Faut dire que celui qu'on avait vu aussi dans la partie en soi était assez solide aussi. Ok. Hop. Alors, je mets ça, là, pour l'instant, les petits escaliers. C'est juste pour voir si ça sera suffisant, entre guillemets. Hein. Rien de définitif encore à l'heure actuelle. Hein. Comme je l'ai dit, on le fera au fur et à mesure. Vous voyez, par exemple, là, c'est pas bon. Hop. Qu'est-ce qui passe pas? Les deux cubes à l'arrière, ok. Et là, ça passe. Parfait. Donc là, on peut, en fait, déjà... recouvrir. Parfait. Est-ce que... Donc, si je tente ma chance... ici, hop, est-ce que je peux quand même remplir une partie centrale? Par exemple... ce genre de cube, excusez-moi, je me trompe encore avec les touches. Est-ce que les différentes touches de ma tour sont différentes de des touches du PC portable? Alors, est-ce que ça, par exemple, ça passe? Ça passe, c'est parfait. Parfait, parfait. Donc, pour ce qui est de l'avant, on l'a. Ensuite. Hop. Hop. Et hop. Normalement. Si je me trompe pas de touche. Hop, voilà. Ça devrait être plutôt bon. Si je veux placer. Ceci, parfait. Ça passe, c'est effectivement plutôt bien. Ok. On avait vu un super robot ensemble, chers amis, dans une game. On avait vu ce robot qui était assez stylé. Malheureusement, je n'ai pas les compétences, je n'ai pas surtout pris le temps de regarder à quoi il ressemble exactement dans le rush. Je le ferai, sachez que je le ferai, chers amis. Mais pour l'instant, ce n'est pas prévu de copier ce robot, entre guillemets, de manière rapide, de manière pas assez étudiée, entre guillemets, si je puis dire. Par conséquent, moi je pars sur un robot qui sera peut-être un peu plus personnel, un peu plus personnalisé. Hop. Encore une fois, j'imagine que je peux en placer un là. Oui. Est-ce qu'il vaut mieux que je passe ça ou ça? Ça se passera pas, d'accord. Bon bah écoute. Ou alors peut-être que ça vaut mieux que je fasse un cube de ce genre là. Est-ce que par exemple je vais mettre ça là? Non, je ne peux pas. Ok, bah pourquoi pas. Hop. Alors, on va quand même essayer de le rendre assez léger. Il faut qu'il puisse voler de manière efficace, si je puis dire. Donc là, de toute façon, on n'a rien à changer, au final. Hop. Hop.
parfait. Hop. Voilà. On va le faire avancer un petit peu. Allez, avance. Hop, parfait. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un robot dans le genre hein, que je fais. C'est-à-dire qu'il va y avoir des modifications faites par rapport au modèle. Vous verrez bien lesquelles. Ok. Ah, apparemment, j'en reçois des textos, voilà autre chose. Hop. Voilà, dégagé. Merci. Crac. Voilà. On va continuer encore. Hein. Ok. Crac, 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 crac. Ok, maintenant on va le faire monter un petit peu. Hop, c'est un hélicoptère, après tout, faut bien qu'il monte. J'avais prévu pour cet hélicoptère de placer en fait les deux. Ok, parfait, donc faudra que ce soit sur cette ligne là. Ça me dérange pas. Hop, maintenant on va essayer de les placer déjà de manière correcte. Les deux lance-missiles donc. Ce sera donc un hélico littéralement de soutien, hein, chers amis, vous vous en rendez compte maintenant, je pense. Il faudra donc qu'il soit suffisamment, par contre, suffisamment performant pour voler, malgré le poids qu'on vient de lui rajouter sur ses épaules. Hop. Crac. Hop. Fait. Hop, l'avantage c'est qu'il est très simple de entre guillemets faire ses armes parce que vous voyez qu'elles sont toutes sur une base très simple. Hop, voilà. Alors normalement j'ai un cube devant ou pas? J'ai un cube devant donc c'est parfait. C'est parfait, c'est parfait. Il va me falloir un cube comme ça par contre. Alors, est-ce que je le refais à mon tirement ou pas? Déjà, peut-être que je peux faire ça. Regardez. On veut gagner du poids. On va peut-être pouvoir en gagner un petit peu en mettant des rods. Hop. Voilà. Ça, ça peut être sympa. Gagner en solidité, ça se fait très simplement, il suffit de couvrir certaines parties. Ici par exemple, je pourrais couvrir comme ça, mais là ça me fait un trou, quoique ça peut être stylé les trous, hein, de cette manière. Est-ce que je ne ferais pas mieux, justement? De faire ça comme ça. Donc là ça ne passe pas. Un cube comme ça peut-être. Ok, pourquoi pas. Si ça peut le rendre un peu plus costaud entre guillemets, c'est tant mieux. De toute façon, il va falloir qu'il soit léger en tous les cas, hein, donc malheureusement, il va y avoir des compromis à réaliser. Par exemple, ceci. Ceci, ceci. Hop. J'ai parfaitement 3 cubes par conséquent. Hop. Hop, voilà. Ici. Solidification, ici, il y en aura une aussi. Ici, il y en aura une aussi. Je pourrais même peut-être la passer en 5. La question est, est-ce qu'il vaut-il mieux mettre des 5 que des 3? Je ne sais pas, je ne saurais pas vous dire, chers amis.
Bon, ça va, de ce côté-là. Hop, hop. On recommence. De toute façon, faut suivre la colonne du vaisseau. De toute façon, ce serait pas mal de faire sa colonne vertébrale. Hop, voilà. Ah, là, je peux pas la mettre, par contre. Exact, exact, exact. J'avais complètement zappé ce détail. Hop, parfait. Problème résolu, en tout cas momentanément. Ok. Ok, ça c'est bon. On a plus ou moins atteint ce que je voulais atteindre. Hop. Ici, je ne pourrais pas, donc je peux augmenter ici de 1. Voilà. Faut impérativement qu'il soit le plus léger possible, hein, je précise, hein, je rappelle. Est-ce que je peux d'ailleurs, par exemple, supprimer ce cube? Ça m'oblige à supprimer celui-là et celui-ci. Visuellement, ça ne gâche rien, donc c'est bon. C'est bon, c'est bon. Ok, ça, ça ne me dérange pas visuellement, ça en jette, je trouve même. Il faudra juste que je les mette toutes dans le bon sens. Ce serait mieux. Parfait. Hop! Et nous voilà dans la course à nouveau. Bon, parfait. Parfait, parfait. On va d'abord voir jusqu'où on peut faire ça. De toute façon, je pense pas qu'on pourra le refaire. Tout simplement parce qu'en fait, ici, il y aura déjà autre chose. Bon, ça, de toute façon, ce sera à revoir le moment venu. Les autres cubes ici à l'arrière. Parfait. Ici, techniquement, il est censé y avoir ça. Ici aussi, apparemment. Pourquoi ça ne se voit pas? Hop. Pourquoi est-ce que, en fait, je peux mettre un truc ici? Parce que j'ai chié ici, en fait. Voilà, voilà pourquoi. Ok. Hop, hop. Parfait. Parfait, parfait. On optimise toujours un maximum, hop, c'est pas le bon cube, la solidité de la structure. En tout cas, c'est comme ça que j'imagine quelque chose de solide. Je rappelle que je suis pas un puits de science non plus, hein. Hop. Le voilà. On a celui-ci, et ensuite on a celui-là. Non, ça va pas passer par là. Ça va pas passer par là. Crac. Voilà, c'est mieux comme ça. Ce qui veut dire que bah, c'est bon, en fait, en bas, on arrête pile au bon moment. C'est parfait. C'est parfait. Crac et crac. Ok, bon, il n'y a plus qu'à remplir tout ça. Ici. C'est pas une réplique de comment du médecin dans... Dans... Comment que ça s'appelle dans... Dans Atlantide. Faut me remplir tout ça. Avec quoi? Hop.
Ok. Je pense que je devrais être plus ou moins bon. Très bientôt. Ah, mais là, il va y avoir un souci, là. Il va y avoir une couille, là. Hop. Attends voir. Attends voir. Ici. Ici. On peut le faire continuer plus loin, c'est pas grave en soi, hein, mais... Ça rajoute du poids inutilement. Surtout pour l'instant, je n'ai pas encore ajouté le moindre... Le moindre système de propulsion. Pour en augmenter la vitesse ou augmenter la vitesse de commande... Qu'est-ce que j'ai mis là? Des cubes. On va partir dessus aussi. Ok. Tout est en place, parfait. Ok, bon. On continue alors sur le même principe, hein, on verra bien jusqu'où ça va nous mener. Ok. Oui, mais là ça va être compliqué de placer. Ah non, c'est bon, il y a la place. Il y a la place pour un cube. Ok. Je l'avais, le voilà. Hop. Est-ce qu'il faut plutôt pas plutôt que je place ce cube là? Honnêtement, je pense que si. Ça du coup ça ne passe plus. Dilemme, 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 dilemme. Ça, ça s'arrête là. Hop, et nous voilà en piste. Ça fait un robot qui est quand même très très gros. Sûrement aussi très très lourd donc. Quoi? J'ai coupé un truc qu'il fallait peut-être pas. Hop. Ça on remplit pour s'assurer de, en tout cas du maintien ici. Alors est-ce qu'ici je pourrais pas mettre par exemple, crac. Ici, voilà. Pas besoin ici, hop, parfait, déjà ça c'est bon. Par contre, oui, j'ai supprimé un truc que je ne voulais pas supprimer à l'intérieur, clairement, mais je ne sais pas quoi. Donc écoutez, on verra bien le moment venu. Je ne sais pas quoi. On a bien entendu le bruit, pourtant. Donc on est bon ici. Hop. Alors du coup, si je voulais, par exemple, mettre des propulseurs là-dedans. Est-ce que ce serait possible ? Alors, ah, qu'est-ce qu'on a en propulseur de disponible? Ça pourrait être très bien, mais je sais pas si je peux en mettre 3. Ah, excellent. Excellent. Ok. Ok, ça c'était pas bon. Là j'ai fait une connerie. Au niveau armement, donc, on va les remettre. J'espère que je puisse pas me planter. Alors, déplacement. Vous voyez, il est déjà perdu le point. Le voilà. Hop. En plus, le mieux serait que je les place dans le bon sens. C'est bon, là? Putain. Ok, là, c'est bon. Ça y est, on va y arriver. On va y arriver, chers amis. Ne vous inquiétez pas. Hop, on peut fermer là. On verra si on doit remplir des choses à la toute fin.
Là, j'aimerais finaliser cette chose. Est-ce que ici, je peux reprendre mes cubes classiques? Parfait. Hop. Je vais en mettre un maximum, c'est fait exprès. Ne vous inquiétez donc pas. Et normalement, si ça se passe bien... C'est ici que j'aurais dû le mettre d'ailleurs, de toute façon c'était stupide de le mettre ailleurs. Ok. Donc là nous avons une longueur totale de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 cubes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 cubes. Ça devrait se passer ici. Oui, forcément, faut que je mette le bon cube. Parfait. Voilà ce qu'on a. La seule différence étant qu'ici, on ne va pas faire une grosse... comment dire, portion du robot. Mince. Ici, hop, reviens de poser là, parfait, merci. Bien qu'on va quand même lui donner un grand coup de propulsion aux fesses. En tout cas, c'est ce qui est prévu à la base. Ok, nous atteignons donc quelques milliers de flops. Est-ce que je compte refermer le dessous? Là, oui, normalement oui, il faudrait. Et je ne peux pas. Ha ha. Ha 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 ha. Nous nous heurtons à un problème, chers amis. Ça, ce n'était pas prévu. Il y a un truc qui fait un drôle de bruit. Ah oui, c'est le... c'est le levier de vitesse. Nous retournons donc à un véritable problème. Hop. Alors. Ok. Niveau flops, on est ric-rac pour l'instant. Alors, comment je vais finaliser cet endroit? Putain. Déjà, si je replace ça comme ça... Ok, il va me falloir un cube de ce genre là, puis un autre ici, puis des cubes classiques je pense qu'on va mettre ici, avant de continuer avec ceci, hop, bon, l'aspect visuel, Léo possible est terminé. Maintenant, il faudra faire l'aspect protection, entre guillemets, l'aspect efficacité. Bref, de quoi rendre ce robot capable de faire des choses au combat. On a 5 disrupteurs, j'aimerais plutôt avoir des bombardiers. Cependant, ces 5 disrupteurs peuvent nous être utiles. 1, 2...
3, 4. Ok. Et ici, on a une grosse zone de danger. Highway to the danger zone. Ok. Et je me trompe de cube à supprimer. C'est génial. C'est la fête. La fête. Ok. C'est quand même la catastrophe par là. Hein. C'était pas du tout... Enfin, je pensais pas que ça allait le faire comme ça. Limite, j'ai bien envie de supprimer la rangée du milieu. Ça va solidifier le truc. C'est bien mieux comme ça. Et maintenant, on va aller voir l'instant de vérité et ce qu'ils veulent, chers amis. Est-ce qu'ils volent? Est-ce qu'ils volent? Est-ce qu'ils volent? Selon vous, est-ce qu'ils volent? J'ose espérer que oui. Allez, on y va. Instant de vérité. J'ai appuyé sur T, mais ça ne fonctionne pas. Test robot, on va aller voir. Hop. Est-ce qu'ils volent? Est-ce qu'ils volent? Est-ce qu'ils volent? Est-ce qu'ils volent? Apparemment, non. Ah ah. Problème. Il va nous falloir alléger ce bourrin. Il va nous falloir alléger ce bourrin. Donc, pour cela, il n'y a pas 36 000 solutions. Alors, on va commencer par là. La rangée du milieu, tiens, la fameuse rangée du milieu, elle est doublée. Pas de raison de la doubler. Ok. Enfin, il n'y a pas de raison de la doubler, tout est relatif. Moi, je dis ça dans le sens où il n'y a pas en fait de raison de ne pas mettre ce genre de choses, comme vous pouvez le voir actuellement. Hop. On gagne un poids considérable déjà. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut gagner comme poids ailleurs? Qu'est-ce qu'on peut gagner comme poids ailleurs? Ici. Crac. Et ici. Je sais pas si niveau solidité, c'est une bonne chose par contre faire ça. Hop. Soyons honnêtes, je ne pense pas, mais écoutez, c'est comme ça. C'est comme ça qu'on fait les tests, hein. Hop. Voilà. Crac. Déjà là, on a gagné un petit peu de poids normalement. On pourrait même en gagner un petit peu plus peut-être. En mettant un petit peu d'hélium aux endroits stratégiques. Crac. Et on va refaire un test tout de suite pour voir si cette fois-ci il est un peu plus efficace en vol. Je vais juste modifier une touche, chers amis. The Pit, je viens de le voir, il me semble. Non, The Pit, Team Smash, Test Robot. Voilà, Test Robot T. Ok, c'est parti. T, allons voir. Allons voir si cette fois-ci ils volent ou pas. Ça serait une bonne chose, hein. Toujours pas. Toujours pas. Donc faut qu'on regagne du poids à d'autres endroits.
pas ici. On peut pas en gagner. Donc. Ou alors, on rajoute de la propulsion verticale. À des endroits stratégiques. Mais ça, je pense pas que ce soit véritablement une solution sur le long terme. Hop. Si je mettais un peu plus d'hélium déjà. Ça devrait être un petit peu utile. Hop, j'en avais là sous les doigts, mais hop, ça va être plus facile comme ça. Hop, voilà, déjà ça, on va gagner un petit peu, je pense. Maintenant. Encore un peu ici, pourquoi pas. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre d'efficace? Ok, est-ce que par exemple là je peux mettre ce genre de cube là ou pas? Oui, parfait. Ok, est-ce que donc du coup ici je pourrais mettre à tout hasard? Un petit peu de propulsion, oui, de ce côté là. Ici, non, je ne peux pas. Bon bah parfait, on va rester là-dessus, c'est pas grave. On va augmenter un petit peu la protection de ces petits boosters. On va essayer le vol, on va bien voir. J'ai rajouté de l'hélium, j'ai rajouté un petit peu de propulsion vers le haut. Il devrait être un peu plus léger. Oh, c'est dur. Pour l'instant, ce n'est pas encore assez. Ce n'est pas encore assez. Pourtant, je le voyais pas si lourd. C'est dommage qu'on n'ait pas la masse du robot, qu'on n'ait pas d'indication sur la masse du robot. Surtout que c'est censé être implémenté. Enfin, implanté. Je veux dire, c'est visuel. C'est pas... C'est existant, je veux dire. À l'heure actuelle. Donc, ça devrait être visible. Si je faisais ça autrement. Je sais, ça rajoute du poids au milieu, hein, mais... Oh là, ça c'était une erreur. Hop. C'est un prêté pour un rendu. Visuellement, ça casse des choses. Ça y est, c'est le début de la fin. C'est le début de la fin, donc non. Non, ça ne m'intéresse pas de casser ce genre de choses. Si c'est visuellement stylé, enfin stylé, non. Propre. Faut pas dire, faut exagérer non plus, c'est pas stylé non plus, hein. Ici, est-ce que je peux pas en rajouter une? 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Est-ce que ça va être solide à la fin tout ça? Je commence à me poser des questions. Pourquoi pas? Là, ça ne passe pas.
Ok. J'en ai plus. Ok. Oui, c'est du grappi. Je grappille, chers amis. Hein. Je grappille où je peux. Un petit peu de poids. Ok. Est-ce que là c'est mieux? Est-ce qu'il vole peut-être là? J'en doute, hein, mais. Ah, attendez. Bon, il est un peu long à se mettre en place. Il est extrêmement laid. Mais il vole. Et au moins à tomber, il va être rapide normalement. Voilà. Croyez-moi, je suis en train de pousser dans l'autre sens là. Et non, je touche. Ok, bon. Bah au moins. C'est plutôt une bonne chose ça. Il est précis en vol. Prendre pour toutes les choses devant lui, c'est pas gagné. D'accord, donc faut passer au-dessus des cibles. Bon, bah, c'est une. Alors là, il veut plus du tout. Ok, bizarre. Ok. Pourquoi pas? Bon, bah écoutez, il vole, hein. Il vole. Donc on va le peindre. On va le peindre, puis on va se laisser là. Et on le testera, donc comme d'habitude, dans le prochain épisode. Non. Hop. Ouais. Pourquoi pas. Hop. Ouais. Allez. Hop. Eh ben écoutez les amis, on va se laisser là pour cet épisode. Merci de l'avoir regardé. N'hésitez pas à le pouce, vériser, le commenter, le partager, vous abonner, rejoindre le groupe Steam Joueur de la Playroom, ne pas trouver le lien dans la barre de la chaîne. N'hésitez pas à aller aussi dans le shop si vous souhaitez avoir des robots de la chaîne simplement. Hein. Ils sont disponibles. Vous mettez simplement Marcus Bonus comme je vais vous le montrer d'ici quelques secondes. Hop, je finis juste la peinture du robot. Voilà, on va faire ça comme ça, et aussi les pièces du haut, hop, voilà, ben voilà, donc je vous montre ça tout de suite chers amis, garage, donc pour moi, donc vous allez dans le shop ici, vous mettez tout simplement, vous allez voir, Marcus Bonus, hop, vous faites entrer, oula, non c'est pas bon ça, c'est pas ça que je veux moi, hop, et vous y trouverez, chers amis, donc, les différents robots de la chaîne Le Eagle. L'avion ? Ok, alors ça va pas falloir le faire, chers amis. Parce que moi, je vais report, sinon. Ça va pas falloir le faire. Parce que sinon, je vais report aussi sec. Hein. Le nom Marcus Bonus est déposé, entre guillemets, hein, donc vous n'avez pas à faire ça. Donc voici les différents robots de la chaîne. Et oui, donc je pense que je vais te report. Je suis désolé. Mais ça, en plus quand on s'appelle Fake Man, je pense que je vais le report. Donc j'attends de voir vos commentaires, chers amis. Et en tout cas, on se retrouve dans le prochain épisode pour un nouvel épisode avec un nouveau robot. C'était Marcus Bonus dans la Playroom. A plus pour d'autres aventures. Salut les gens. Et yop !